Aujourd'hui est un grand jour. La communauté sur Kick est assez phénoménale. Et comme vous pouvez le constater avec l'écran qui va apparaître ici en bas, l'objectif de sub est atteint. Nous allons ouvrir 10 Poké Rêves devant vos yeux ébahis. Alors, YouTube, la dernière fois je vous ai régalé. Du coup, cette fois-ci, ce sera Twitch qui sera un peu plus régalé, mais vous aurez un cadeau aussi à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc si vous ne le savez pas, les Poké Rêves, c'est quoi? C'est ce genre de produit-là, avec dedans, comme vous pouvez le constater, 5 boosters anglais et une pochette surprise qu'on découvrira à la fin. D'accord? Mais en gros, vous avez méga bonus pack Poké Rêves. C'est les 4.0. Donc c'est les nouvelles qui sont sorties. Vous avez à l'intérieur 5 boosters Sword and Shield, donc épée, bouclier ou écarlate et violette. Et ensuite une chance d'avoir un booster de différentes raretés. Le gold nous intéresse le plus, avec de l'ancien en français et en japonais, noir et blanc en silver, XY ou soleil lune en rouge. Et green c'est pareil que voilà. Ok. Ensuite sachez que la dernière fois nous en avons ouvert, nous avons eu ceci, Rocket en japonais, folie. On espère éventuellement en avoir encore un. Et voilà, donc là je vais ouvrir les 10 comme d'habitude. Je vais laisser les pochettes cachées ici, je vais les empiler une par une et j'ouvrirai à la fin ces boosters là. Sachez que la vidéo va pas durer très long, parce que ces boosters là les gars, on va les trier. Il y en aura au total 50, 25 et 25, de gagnants en live sur Kick. Donc n'hésitez pas à YouTube, si vous connaissez pas Kick, à venir. J'ai décidé de streamer sur Kick pour la simple et bonne raison que bien évidemment c'est bien plus rentable pour moi, étant un petit streamer, d'être ici. Ça nous permet de faire des projets de fou. En gros, sur les 100 subs, j'ai environ touché 400 balles, ce qui est énorme. 400 sur Twitch, j'aurais pris 200 en grand max. Et encore, c'est si je suis gentil, mais c'est moins. Donc en fait, ça permet moi de faire des ouvertures de fou et puis vous faire des cadeaux. Voilà, donc là, par exemple, tous les boosters, je vais pas en avoir un. Mais restez bien là, YouTube, parce que vous allez avoir des cadeaux aussi. Ok? On est parti! On ouvre toutes les Poké Rêves. Je sais pas si vous le saviez, mais du coup, Poké Rêves m'a donné envie, bien évidemment, de créer une pochette française. Donc j'ai sorti Enigma. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en profite d'en parler un petit peu. Ça permettra, pour ceux qui ne sont pas au courant, de savoir ce que c'est. Un petit moment de promo. Oh, Evolving Series, nice. Un petit moment de promo pour soi-même, c'est toujours bien. J'ai pas été payé pour la faire vu que c'est mon produit. Donc j'ai sorti Enigma, qui est une pochette aussi justement mystère en français, avec 4 boosters épée et bouclier à l'intérieur, plus un booster mystère, c'est la série 1.0. Avec à l'intérieur un minimum garanti d'un booster vert, donc qui correspond à tempête argentée, origine perdue ou point de fusion. Nous, à la différence, ce qu'on a affiché, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a pas de... c'est ce qu'il y a dedans. Vous avez de bleu à 30% avec justement du EB7 et du Zenith Suprême. Vous avez à 15% du Destinée Radieuse, le fameux Draco Feu Shiny et du Soleil Lune de base. À 5%, vous avez du XY Evolution ou du Destinée Occulte. Et si vous tirez la pochette Gold, vous avez un booster du set de base, édition 1. Garantie non pesée, non triée. À l'heure actuelle, il y en a 2 qui sont tombés. Il y en a plus que 2. C'est même pas la moitié de ce qu'il y a. J'en ai sorti un mois pour un client. C'était un booster lourd, Tortank. Donc, c'est le produit que j'ai lancé. Il y en a plus à l'heure actuelle chez moi. Par contre, dans la description, je vous mettrai dans la description YouTube si vous voulez précommander des Enigma, parce que vu qu'on a été victime de notre succès, la première vague est partie, il n'y en a plus. On refait une deuxième vague de cette 1.0. Vous pouvez précommander. Le prix, ce sera de 49,99, d'accord? Et précommander. Voilà, je vous le dis parce qu'en fait, en gros, si vous compreniez, c'est que les précommandes de la première, 85% des stocks étaient partis. Donc, attendre que ça sort, c'est dangereux. Et c'est en français, bien évidemment, full français. Ça, sur le live, à la fin de l'ouverture, je fais un tirage au sort pour gagner ça. Et donc, du coup, dans la logique, il doit en rester 25. Donc, il y aura un gagnant à 25 boosters, un autre à 25 boosters. C'est un cadeau à presque 100 balles, quoi. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Je garde rien. Allez, on est parti, les gars. Poké Rêve, la première, je me suis spoil. Du coup, ça va être malheureusement du vert. Allez, c'est parti. Alors, vert, donc on sait que ça va être malheureusement... voilà, ça peut être du Scarlet et Violette en masse, malheureusement. Le vert, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut le moins. Franchement, je serais content avec 2 rouges, 1 silver. On sait qu'on a déjà un rouge parce que je me suis spoil. Le deuxième booster, vert, super. Ça commence, ça y est, je commence à avoir la pression. Scarlet et Violette, ouais, alors non, par contre... pas que du Scarlet et Violette en vert, hein. Prochain... vert encore, sa mère. Bah, ça fera un petit cadeau. T'as bien compris que YouTube allait éventuellement gagner toutes les pochettes vertes et toutes les pochettes rouges. Eh oui. Prochaine pochette. Vert. Ça fait 4 et on sait qu'on a une rouge, donc ça veut dire qu'il en reste plus que 5 ou on sait pas. Ça commence à être tendu, les gars. Ça commence à être tendu. Lost Origin. Rouge, c'est celle qu'on était spoil, les gars. Maintenant, là, on sait plus ce qu'il y a après. En rouge, ça peut être cool déjà. Avec... oh oui. Eclipse Cosmique, c'est sympa. Et ça, j'ouvre pas, les gars. Je vais faire gagner à quelqu'un sur YouTube le petit Eclipse Cosmique. J'aime bien. Bon, après, le problème d'avoir... et deuxième Eclipse Cosmique, let's go. Le problème d'avoir du rouge, c'est que ça enlève des probabilités d'avoir du... bref, faites-nous rêver, s'il vous plaît. Oh, let's go.
Allez, allez les gars, silver, noir et blanc. Là, les mecs à l'affût. Bon bah au final, on peut pas se plaindre, on a eu ce qu'on voulait. On voulait au moins une silver et deux rouges, on les a eu les gars. Silver, hey, tu sais quoi, silver, on garde pour après. On va pas non plus se spoil de fou. Oui. Bon bah les gars, alors là par contre la proba, je pense qu'elle est ouf. Non, pas après, putain, mais je suis con, je viens de le dire après. On a deux pochettes silver les gars. Bon, on va pas se mentir, là je crois qu'on a tapé parce qu'en fait si tu regardes le taux d'apparition, comme on dit, tu as une chance sur 5 d'avoir du rouge. J'en ai commandé 10, donc 2 rouges, ça devrait être logique, tu vois. C'est 1 sur 5, donc 2 sur 10, donc ouais, c'est bon. 1 sur 10 silver, donc normalement j'aurais dû dans la proba en avoir qu'un seul. Et là j'en ai eu 2. Bon bah 1 sur 25 en gold, on va pas non plus trop rêver. Allez le prochain. La proba. Oh, je suis choqué. Oh la proba. Oh putain. Oh je suis choqué. Oh putain, fête ce soir. Un japonais ou un scène de base. Je crois plus les probas. Vas-y, bah du coup il en reste une. On a un gold dedans aussi. Pff, oh vas-y, c'est trop. C'est un délire. Non vraiment, c'est... J'ai même plus de réaction. C'est... Non mais rêvons pas. Bah oui, bah à la base. Breakout. 3 rouges, 2 silver, 1 gold les gars. C'est quoi ce délire? Bon bah les gars, ça y est, je commence à avoir chaud. Je savais que j'allais avoir chaud. Bon, vous aurez compris YouTube, vous pouvez gagner ceci dans les commentaires. Vous allez devoir mettre dans votre message pour pouvoir participer au concours. On va pas trop rêver. Comme ça veut dire que vous avez bien suivi la vidéo et du coup vous serez tiré au sort. Donc comme d'habitude, je réponds à un commentaire, c'est-à-dire que c'est le commentaire gagnant, en lui demandant soit un Insta, soit un Discord pour pouvoir aller le contacter en privé. Donc n'hésitez pas à commenter. Laissez un petit like, ça participe pas au concours, mais ça aide beaucoup. Je vous mens pas, ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et moi je vais ouvrir le silver ici pour voir ce que nous réserve ces collections. On va analyser les boosters, ce qu'il peut avoir à l'intérieur et ouvrir ou pas ouvrir. Je me laisse le droit de pas ouvrir aussi. Si jamais ça ne nous plaît pas plus que ça, on est sur du noir et blanc avec un Keldeo à l'affiche. Et c'est Boundaries Crossed. Alors en français, je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée. Faudrait que j'aille voir. Frontières franchies. Ok, c'est ça. Alors, on va aller voir la collection. Donc on a un Rafflesia ici. On a, oh, un petit Celebi X, sympa. Il y a du Dracaufeu holo, tout de même. Tortank aussi holo. Oh, c'est cool. Un petit starter, ça fait toujours plaisir. Dommage qu'il n'y ait pas un petit Florizarre, hein. Vraiment. Ici, je vois pas grand-chose qui m'intéresse plus que ça. Dans les ultras, on a quoi? Kyurem noir, Kyurem blanc. Ouais, c'est pas fou pour l'instant. Celebi X, ok. Ouais, bah, c'est pas des Pokémon qui me font vibrer plus que ça, hein. Un Golem à stock en secrète, un Terrakium Shiny aussi. Et Altaria Shiny. Ok. Allez, pour le beau jeu, on ouvre. Je sais pas combien ça coûte, hein. Vraiment, un booster comme ça. Mais vas-y, on est là pour le beau jeu. On ouvre. Normalement, 1, 2, 3. Si je ne fais pas de bêtises, l'ordre doit être bon. 65€ sur Card Market. Ok, ouais, bah, c'est, tu vois, c'est quand même pas donné, hein, ces boosters. Hein. Waouh. Allez. Makuhita. Lui, c'est Shaglam. Sablette. Sablette, c'est Sablette. Un sécateur, elle est vraiment stylée là, un sécateur, hein. Mine de rien. Il y a des super chers. Ah oui, Marjul, je vois pas lesquels, mais ok. Aspertia City Gym. Le Sévipère. Oh, petit canard artichaut, j'aime bien ce Pokémon. Une reverse peu commune. De clic. Et derrière. Une rare plante, malheureusement. Non, pas d'holographique, c'est un peu une loose là. C'est pas Sévipère? C'est ouais, ça là. Pas ouf le premier. Deuxième, on espère une autre collection, parce que comme ça on découvre. Ok, ça doit être une autre collection ça, ouais. Oh! Next Destiny! Ça veut dire Destinée Future. Allons voir les cartes qu'il y a en Destinée Future. Oh, oh putain. Oh putain de merde, pardon. Voilà les holographiques. Ah oui, bon bah oui, après oui, hein, les légendaires première gen, oui, clairement j'aime beaucoup. On a aussi du petit Mewtwo X ici qui peut tomber. Gardevoir, j'aime bien. Lucario aussi, j'aime beaucoup. Oh, Lucario, elle est incroyable la carte. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, en méga ultra, on a un Mewtwo X full art. Oh là 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 là
Ouais, bon, ben les gars, on va pas se mentir. Hein. Zekrom, oh là, vas-y, c'est bon, on ouvre, on ouvre. Combien ça coûte ça, les gars? Vous avez un prix à me donner? Moi, je sais pas du tout, hein. Mais il est magnifique, le booster. Putain, mais limite, il est trop beau, en fait, le booster. Allez, on y va. J'arrive pas à réaliser qu'on a un booster gold après avoir. Faut vraiment que ce soit du japonais ou du set de base, mais je vais être déçu. Tu te rends compte que je vais être déçu si c'est pas du japonais ou du set de base? C'est quand même triste, en vrai. Faut vraiment que j'arrête de mettre une pression, les gars. On kiffe juste, mais voilà. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Non, c'est pas 4. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Jap diamant, c'est bien top. Ouais, j'ai dit, je veux du japonais ou du set de base. Ou fossile. Ou roquette. Mais je veux pas du, bref, on en parlera après. Là, d'abord, on va se taper un petit Mewtwo, je vous le dis. Krixik, Flamajou. Non, ben l'autre, du coup. Bref. Pagaïde. Staros, un peu commune. Peu commune, Hiribo. Reverse, peu commune. Oh, la reverse de Raichu. Sympa. Très très belle reverse ici. Et derrière. Ok, c'est pas une ultra. Holographique de Elector, let's go! Ah, je suis content! Ça fait une belle carte en anglais, let's go! Magnifique! Ah, elle est belle! En plus, on a une belle reverse aussi, franchement, à tout moment, je vais faire grader ces cartes. Moi, ça me fait des souvenirs. Ah, non, ça, je suis content. Eh ben, écoutez, l'histoire est en marche. On peut avoir du Wizard of the Coast, Diamant et Perle, Platine, Heart Gold Soul Silver. Je vais pas vous mentir, moi, je vous jure, en vrai, voilà, vous vous souvenez, on avait déjà eu un booster Jungle d'une de ces pochettes-là. Alors, au toucher, j'arrive déjà normalement à savoir si ça va être un booster anglais ou japonais déjà de base. Je vais essayer de voir. Je pense que c'est pas ce que je voulais. Allez, je ferme les yeux. Allez, on verra. Vous allez me dire ce que c'est. Je crois que c'est dans le bon sens. Attendez, j'arrive plus à remettre dedans. Énorme, incroyable, wesh. Le booster est beau en tout cas. Top, oh my god. Gym en anglais. C'est gym en anglais? Non. Si c'est gym, c'est ce que je veux, hein. Oh, c'est du wizard, les gars, mais bien sûr que c'est ce que je veux. Booster gym, let's go. Oui, oui, la légende. Oh là 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 là. Non mais les gars, ouais, ça c'est incroyable. Vous êtes sérieux? C'est du wizard, les gars. Attendez, je vous montre. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh franchement frérot, putain de merde, il y a le Dracaufeu dedans, il y a Mewtwo en holographique. Elector, vous le connaissez probablement parce que c'est celui que vous aviez en réimpression. Donc il est d'une folie pure. Ah, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, tu peux pas l'ouvrir. Ah, allez, j'ouvre, c'est bon, vas-y, tu sais quoi, j'ouvre, c'est bon, stop, j'ouvre. Ça va, au bout d'un moment, on est là pour vivre des expériences. Je veux juste aller voir la manip à faire. Vas-y, les gars, tu sais quoi, je prends même le risque, je pèse pas, on y va, on a qu'une seule vie. C'est pas du édition 1 en plus, donc tu vois, s'il y en a un que je peux ouvrir, c'est bien celui-ci. Nous, on veut vibrer. Vous m'offrez vraiment de magnifiques moments en ouverture, nous, on veut vibrer. À savoir, on va juste regarder encore une petite chose, hein, parce que normalement, il me semble qu'il y a une commune que je pourrais souhaiter plus que tout. Regardez bien, parce que vous savez, hein, moi, quel est mon Pokémon préféré. Normalement, il y a une Psychoquack, mais j'arrive pas à vous la montrer. Bref, j'ai un Psychoquack. 1, 2. Comme ça. Et comme ça. Il y a deux psychoquacks. C'est Manon. Je me suis spoil sa mère, j'ai une holographique. Il avait fait une 2. Oh, je suis si nul. C'était un lourd. Le persian de Giovanni. On apprend. Imagine, je fais ça avec le booster set de base lourd que je vais faire. Une énergie. Ok. Ratata, je vais pas te mentir. Je te kiffe pas. Otaria, je vais pas te mentir, je te kiffe pas. Miaouss, non plus. Ok, Goopix, j'aime bien. J'aime bien Goopix. Starry, ok. Non, ça aurait dû être un psychoquack, ça. Une trainer. Je pense qu'il y en a une deuxième, ça. Ah non. Voilà, on le reste du booster, il est pas... Ah non, c'est pas fini.
Ok, j'ai les deux, nice one. Bon les gars, on va pas se mentir, c'est celle-là moi qui m'intéresse. Magnifique, bah ça aussi ça va partir en gradation, c'est une belle carte. Et incroyable. Oh là là, putain, je suis dégoûté d'avoir été con, mais bon, après il avait fait 1-2 le monsieur. J'ai dit le bac, il a pas la même couleur. Ah oui, un petit peu plus clair. Non non les gars, fallait ouvrir, c'est tout. Là on kiffe, elle est clean en plus. Ah, sortie de booster hein. En vrai ouais, elle me paraît bien cadrée. Je vois pas trop de décalage. L'holographisme, pour moi je vois pas trop de problème non plus à l'heure actuelle. Ah, peut-être là en bas à droite, un petit truc. Peut-être les petits bords là, qui nous empêcheraient d'avoir un 10, tu vois. 23 ans, hein. C'est magnifique. Franchement, je suis... Quel kiff quand même de pouvoir ouvrir des trucs pareils. Et le reste, c'est quoi? On va le refaire gros avec les cartes, puis je me mettrai ça en déco. Parce qu'il est vraiment beau le booster. Vous rigolez? Il y a une carte haut qui était restée dedans. Imagine ces psychoquacs. C'est pour ça que j'ai raté la manip. Magicien! Voilà, c'est trop! C'est un. J'ai pas. Sur la tête de ma mère, j'ai pas fait exprès, c'est pas possible! Non, non, c'est. Oh! Waouh! Alors, lui, mon gars, c'est mon Pokémon préféré. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment, vraiment mon Pokémon préféré. Je surkiffe ce Pokémon. Le Psychoquack de Sabrina! Oh là là, lui aussi, il part en gradation directe. Il restait... Mais frérot, j'ai retiré toutes les cartes, j'ai fait la manip. Même en voulant faire exprès, c'est impossible ce qui vient de se passer. Magnifique, franchement légendaire, dans la légende. Ça, c'est incroyable. Et regardez YouTube ce que j'ajoute à votre pioche. Les deux boosters avec les cartes que j'ai remises à l'intérieur ont mis celles que j'avais envie éventuellement de garder. Les deux pochettes silver, je les ajoute avec votre lot. On va pas trop rêver, YouTube en commentaire. Et encore une fois, une ouverture de légende. Merci à tous hein, de me faire vivre ça. C'est incroyable.